Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tuto très 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 rapide. Du coup, je vous demande un maximum de pouces bleus pour le référencement. Ça sera un petit tuto reroll. Les unités à choper, bien sûr. Ça sera Shadow avec sa Claire. Les deux ou les trois ou l'une des trois. Tout dépend de votre chance. Dans tous les cas, avec ce tuto rapide pour reroll, ça va vous permettre de drop rapidement les unités. Sans vous casser la tête à re-télécharger ou à supprimer les données. Sur ce, on va repartir. Imaginons que vous avez terminé le tuto. Tout est bien. Du coup, là, vous allez ici. Puis après, vous allez directement ici, du coup, l'écran de titre. Et là, vous faites ça. Ok? Moi, vu que je l'ai déjà fait, j'ai pas besoin. J'ai pas encore invoqué. Du coup, on va partir invoquer. Et si je drop de la D, comme d'habitude, vu que ma chance, elle est incroyablement éclatée au sol, ben on va sûrement reroll directement derrière, ok? Ok. Du coup, on est ici. On récupère les 4000. Au début, on commence avec deux petites multis, du coup, ils sont gentils. Le taux de drop, c'est du 3% pour les persos SS. Et les persos en soi, c'est du 0,02% si je ne dis pas de bêtises. Dans tous les cas, on vérifie. On est là, 3% pour du SS. Et en bas, du 0,2%. Excusez-moi, je me suis fail. Mais voilà, 0,2%. Shadow, du coup, Seed, Alpha. Elle, je crois que c'est. Non, c'est pas Delta, c'est L Delta. Bref. Faudra choper lui. Après, il y a qui d'autre? Elle. Après, je me rappelle plus des autres. Mais voilà, il y a deux dans la tier list. Au pire des cas, vous avez une tier list déjà disponible chez les Japonais, chez les Anglais. Vous tapez juste tier list Eminence in Shadow et vous allez la trouver. Ok, c'est parti. Ok, là, ça part sur un shaft. C'est parti. On fait ça tranquillement. Ok, là aussi ça part sur un shaft. Mais c'est parti, on va reroll. Du coup, on sort de l'écran. On va ici, on fait ça. On accepte, on coche ici. On fait OK, c'est parti. Là, on tape to start. On aura juste à cacher un truc. À cocher un truc. Voilà. Accepter plutôt. Là, on réaccepte. Et voilà. La vidéo est très rapide. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie, beaucoup d'étapes ou quoi. Là, du coup, on repart sur une deuxième multi. Du coup, le système d'invocation, de rareté d'invocation dans les animations, je vais vous les montrer. Il y en a, dans tous les cas, il n'y en a que deux. Et cette fois-ci, je ne vais pas skip. Au cas où si je drop. D'abord, on récupère. Et au début, le tuto demande environ 5 à 10 minutes. Tout dépend si vous passez les cinématiques ou non. Ok. Bon, là, je pense pas que je drop. Ok, non, je drop pas. Ok. Il y a un système de combat, voilà. Pass out. Et là, passe ici. On va voir si on va drop, si on est chanceux. N'oubliez pas que le Discord est disponible dans la barre de description. Si vous voulez drop, voilà, j'ai pas drop aussi. Si vous voulez avoir des conseils sur Black Clover, sur ce jeu, sur SAO ou autre, tous les rôles sont dedans. Et voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace. Allez, ciao, ciao.